Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, dans cette séance, on va entamer une séance de soutien et de renforcement en économie générale et statistique, filière sciences de gestion comptable, SGC. On va donc entamer on va essayer de rapprocher la notion du marché par le document suivant. Document 1, le prix du pétrole. Les prix du pétrole sont en chute libre en 2014, c'est-à-dire en diminution. Les cours du baril sont passés de 110 dollars en juin à 75 dollars début décembre 2014, une baisse de près de 40%, donc les prix ils ont connu une baisse, mes chers élèves, qui selon certains experts pourrait se poursuivre jusqu'à 50 dollars le baril, la moitié. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette situation. Tout d'abord, une offre surabondante, c'est-à-dire avec une quantité très grande, tirée principalement par la production américaine qui a doublé, donc la production des États-Unis, il a connu une grande augmentation, il a doublé depuis 2005 pour atteindre 9 millions de barils par jour. Et aussi, par le ralentissement de la demande, mes chers élèves, donc il faut souligner ça, la demande, elle a connu un ralentissement, une diminution. Notamment en Chine, deuxième consommateur mondial de pétrole. Et en Europe, en raison du ralentissement économique dans les deux zones. Alors, ce qu'on va retenir, mes chers élèves, de ce document, que les prix du pétrole ont connu une baisse. Et aussi, que l'offre du pétrole au niveau mondial a connu une surabondance, c'est-à-dire une grande production et aussi une baisse de la demande. On passe, mes élèves, mes chers élèves, aux questions. Identifier le type de marché selon l'objet. Relever une caractéristique pour chacune des composantes de ce marché. L'offre et la demande, petit b, la demande. Troisième question. Montrer que la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur ce marché. Revenons maintenant à la première question. Identification du type du marché selon l'objet. Alors, il faut signaler, mes chers élèves, que le marché, comme vous l'avez défini en cours, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande des biens ou d'un service en vue de faire un échange entre les offreurs et les demandeurs par l'intermédiaire d'un prix. Donc, c'est le lieu où se forme le prix. Vous avez vu aussi qu'il y a plusieurs types de marchés selon l'objet et selon les régimes. Selon l'objet, vous avez distingué le marché des biens et des services. Vous avez aussi distingué le marché du travail. Et vous avez distingué aussi le marché des capitaux qui se divise en marché financier et marché monétaire. Et vous avez aussi distingué le marché de change, c'est-à-dire des devises. Alors, dans notre cas, il s'agit du pétrole, donc nous allons dire que c'est le marché des biens et services. Aussi, mes chers élèves, pour les caractéristiques d'un marché, comme vous avez vu au niveau de la leçon, les caractéristiques, elles sont au niveau de trois, ce qu'on appelle les composantes d'un marché. Nous avons l'offre, c'est la quantité de biens vendus sur un marché. Et nous avons la demande, c'est la quantité de biens achetés, si vous voulez, que les demandeurs sont prêts à acheter contre un prix bien déterminé. Et nous avons le prix. Alors, comme caractéristique de l'offre et de la demande, pour l'offre, comme on a dit, il y a une abondance, surabondance, vu la production de l'Amérique qui a connu une forte augmentation qui est passée à 9 millions de barils par jour. Et nous avons une baisse de la demande, un ralentissement de la demande, surtout de la demande de la Chine, qui a connu une baisse. Alors, vu que l'offre, on passe à la question 3, et on va vérifier est-ce que la loi de l'offre et de la demande, est-ce qu'il est vérifié? Alors, comme on a vu au niveau du cours, on dit que si l'offre est supérieure à la demande, dans ce cas-là, il nous donne une baisse des prix, un niveau des prix bas, et en cas inverse, les prix vont augmenter. Alors, dans notre exemple, l'offre est supérieure à la demande, donc les prix, logiquement, ils vont diminuer. Alors, l'abondance de l'offre et le ralentissement de la demande ont entraîné la baisse des prix. Donc, la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur ce marché, mes chers élèves. Alors, après,
nous allons approcher la notion des agrégats de la comptabilité nationale par le document 2, mes chers élèves. Alors, nous avons le document 2, agrégat de la comptabilité nationale en millions de dirhams courants au Maroc. On a le PIB, produit intérieur brut. Nous avons le revenu national brut disponible. Et nous avons les dépenses de consommation finale, DCF. Aussi, on vous donne l'épargne nationale brute. Et on vous donne les revenus et transferts nets extérieurs, RRRTNE. Alors, qu'on a noté YI, et pour le XI, c'est les années. Alors, première question, lisez les données en gras soulignées. Deuxième question, calculez les données manquantes du tableau. Troisième question, déterminez l'équation de la droite d'ajustement linéaire de forme linéaire Y est égal à X plus B, selon la méthode des moindres carrés, ce qu'on appelle la MMC, selon évidemment la méthode développée et non pas la méthode des écarts. Sachant que les XI, c'est les années, les YI, c'est le revenu et transfert net de l'extérieur. Sigma X et NI, nous avons déjà la valeur, 265 089. Sigma des XI carré égale 14 et Y bar égale 42 757,33. Alors, pour la lecture de la première valeur, mes chers élèves, il s'agit de la richesse. Donc, nous allons dire 827 487,17 au Maroc, la richesse économique créée par les agents résidents s'élève à 827 497 millions de dirhams en 2012. Pour les revenus et transferts nets, nous allons dire, puisqu'il est positif, on va dire que c'est un excédent du revenu reçu sur les revenus versés. Alors, je vais dire, en 2013, le Maroc a réalisé un excédent de 49 162 millions de dirhams en matière de revenus et transferts reçus par rapport à ceux versés à l'extérieur, c'est-à-dire que les revenus reçus de l'étranger dépassent les revenus versés à l'étranger. Pour le calcul des données manquantes, nous avons la DCF. On sait bien que le revenu national brut disponible, il est affecté soit à la consommation, il est égal à la dépense de consommation finale, plus l'épargne nationale brute. Donc, pour dégager les dépenses de consommation finale, il suffit de faire la soustraction. Et j'obtiens 619 270 millions de dirhams. Après, je calcule le revenu national brut disponible de l'année 2012. Il est égal au PIB plus les revenus transferts nets extérieurs. Donc, j'applique l'application numérique, les chiffres et les montants, et j'obtiens 865 990 millions de dirhams comme revenu national brut disponible pour l'exercice pour l'année 2012. On calcule maintenant l'épargne nationale brute en 2012. Elle est égale au revenu national brut disponible moins dépenses de consommation finale, mes chers élèves, ce qui me donne, par application numérique, 211 217 millions de dirhams. Je dégage après, on calcule le PIB 2013. On sait bien que le revenu national brut disponible elle est égal au PIB plus les revenus transferts nets. Donc, si je calcule, si je veux le PIB, donc je fais la soustraction, je mets revenu national brut disponible moins revenu transfert net extérieur. Par application numérique, j'obtiens un PIB de 872 791 millions de dirhams. Alors, pour le calcul des éléments de la droite, à savoir le coefficient directeur petit a et la constante petit b, il nous faut X bar. On sait bien que nous avons trois années. 2011, donnez mes chers élèves, on a 2011 et nous avons 2012 et 2013. Donc, on remplace 2011 par le rang 1, 2012 c'est par 2 et 2013 par 3. Donc, la somme de ces valeurs, 1 plus 2 plus 3, ça me donne 6. Ce qui me donne X bar est égal à 2. Et je remplace dans ma formule de petit a, selon la méthode développée, qui est égale sigma xi yi moins n x bar y bar sur sigma xi carré moins n x bar au carré. Et je par un calcul chiffrable, j'obtiens a 4272,51. Maintenant,
Pour B, nous allons faire B égale Y bar moins AX bar, mes chers élèves. Alors maintenant, je passe au document 3. Je vais rapprocher la notion du chômage. Alors, document 3, le chômage au Maroc. La population active en chômage est passée à 1 140 000 chômeurs au troisième trimestre de l'année 2014. Là, c'est la population active en chômage. Ce qui correspond à 64 000 chômeurs de plus par rapport à la même période de l'année précédente. Donc, il nous donne la population en chômage. Le taux de chômage est ainsi passé entre les périodes de 9,1, troisième trimestre, si vous voulez, de l'année précédente, à 9,6 au niveau national et de 14% à 14,5% au milieu urbain et de 3,7% à 4,1% au milieu rural. On vous donne ici le graphique concernant le taux de chômage au niveau national selon les tranches d'âge. Alors, pour la tranche d'âge des jeunes, on a un taux, mes chers élèves, en 2013 de 19,1. Pour 2014, elle est en troisième trimestre de 20,6%. Ainsi de suite, pour la deuxième tranche 25 à 34 ans, on a 12,8 et 13,6. Après, nous avons 6,1 de la tranche d'âge entre 35 et 44 ans et 6%. Et 45 ans et plus, 2,2, presque égaux. Et au niveau de l'ensemble, nous avons un taux de chômage de 9,1 en 2013 qui est devenu 9,6% en 2014. Alors, mes chers élèves, on vous donne le travail suivant. Lisez la donnée en gras soulignée du texte. Calculez la population active âgée de 15 ans et plus pour le troisième trimestre 2014 et relevez en illustrant deux caractéristiques de chômage au Maroc, texte et graphe. Alors, pour la lecture de la donnée, on va dire, lecture de cette donnée, 14,5% on va dire au Maroc, 14,5% de la population active urbaine, parce que là, il s'agit de la population active dans les villes, sont au chômage au troisième trimestre 2014. Je calcule maintenant la population active au troisième trimestre à travers le taux de chômage. On sait bien que le taux de chômage est égal à la population active en chômage, ce qu'on appelle les chômeurs, sur la population active totale âgée de 15 ans et plus, que je multiplie par 100. Alors, si je veux obtenir la population active âgée de 15 ans et plus, il suffit de multiplier. Je mets population active en chômage, que je multiplie par 100 et que je divise par le taux de chômage. Par application chiffrable, il me donne 11 875 000 personnes. Donc, la population active âgée de 15 ans et plus, au troisième trimestre 2014, est 11 875 000 actifs. Pour les caractéristiques, mes chers élèves, vous les avez étudiées au niveau du cours. On dit que le chômage frappe plus les jeunes que les moins jeunes. Aussi, le chômage aussi concerne les diplômés plus que les non-diplômés. Aussi, on dit que le chômage concerne, si vous voulez, le milieu urbain plus que le milieu rural. Donc, dans notre document, le milieu urbain, 14,5%, il touche plus le milieu urbain que le milieu rural. 14,5%. Contre 4,1 au milieu rural au troisième trimestre 2014. Pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans, on a 20,6%, donc elle est plus élevée pour les jeunes que les moins jeunes. Après, on va approcher la notion de l'inflation, mes chers élèves, par le document 4. L'indice des prix à la consommation au Maroc, IPC. Alors, vous avez vu dans votre cours que l'IPC, c'est un indice qui est synthétique, qui permet de mesurer l'évolution des prix au niveau global. Alors, il prend comme année de base l'année 2006. Alors, on a les éléments, indice des prix des produits alimentaires, tout ce qui est alimentation, et nous avons les indices des prix des produits non alimentaires. Pour l'alimentation, on a 121,3.
Et pour 2014, on a 120 pour les produits non alimentaires, on a 107, 108, et on a l'IPC. Et après, on a les coefficients de pondération, c'est-à-dire ce qu'on appelle les poids ou bien les coefficients tout simplement budgétaires de la structure de consommation d'un ménage. Alors, comme question, mes chers élèves, vous avez trois questions. Première question, lisez les données en gras souligné. Alors, on a l'indice des prix des produits alimentaires qui concerne les biens alimentaires. Et nous avons l'indice des prix des produits non alimentaires. Nous avons le coefficient de pondération, c'est-à-dire c'est la part de ces dépenses dans la consommation totale. On a calculé la donnée manquante du tableau, c'est l'IPC 2014. Donc on va appliquer tout à l'heure la formule. IPC égale soit sigma des indices fois les pondérations sur 100. Ou bien la deuxième formule, l'indice des prix des produits alimentaires que multiplie sa pondération, plus l'indice des prix des produits non alimentaires que multiplie sa pondération sur 100. Et après, nous avons calculé et lisé le taux d'inflation au Maroc en 2014. Alors, mes chers élèves, pour la première lecture, 121,3, nous allons dire au Maroc le prix moyen, ou bien le prix à la consommation des produits alimentaires, des biens alimentaires a augmenté de 21,3% en 2013 par rapport à 2006. C'est-à-dire, on prend toujours l'indice et je retranche 100, la valeur 100. Si j'ai une valeur positive, on dit qu'il a augmenté. Si j'ai une valeur négative, nous allons dire qu'il a diminué. Si elle est égale à 0, on va dire qu'elle est stable. Alors, pour les indices, mes chers élèves, au niveau de l'IPC, tous les indices de tous les postes ou les rubriques de consommation, ils ont toujours comme année de base l'année 2006. Alors, 58,54%, la part des dépenses non alimentaires dans le budget de consommation totale des ménages marocains s'élève à 58,54%. On peut aussi dire, mes chers élèves, que les ménages consacrent 58,54% de leurs dépenses aux dépenses non alimentaires, de leur budget de consommation aux dépenses non alimentaires. Maintenant, je calcule l'IPC. Alors, l'IPC, ou bien on l'appelle aussi l'indice du niveau général des prix, l'indice des prix et des produits alimentaires, fois coefficient de pondération des produits alimentaires, plus l'indice des produits non alimentaires que multiplie le coefficient de pondération, c'est-à-dire le poids ou le coefficient budgétaire. Alors, l'IPC 2014, je prends l'indice de l'alimentation, c'est 120, que je multiplie par son coefficient, 41,46, plus pour les produits non alimentaires, 108,7, que multiplie 58,54 sur 100, et j'obtiens l'IPC 113,38. Alors, maintenant, je calcule le taux d'inflation. Taux d'inflation en 2014, il est égal à la variation de l'IPC, donc IPC 2014 moins IPC 2013 sur IPC 2013 sur 100. Donc, je fais mes calculs, je vais donc, fois 100, pardonnez, fois 100, je vais obtenir 0,42%. Où je majore, je vais majorer à deux chiffres après la virgule, au centième près, 0,43%. Lecture, 0,43% au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 0,42% en 2014 par rapport à 2013. Alors maintenant, mes chers élèves, on va aborder la politique monétaire qui constitue une politique conjoncturelle qui est appliquée par l'État, par le document 5. Alors, la Banque centrale a baissé son taux directeur de 2 à 2,5%. Il faut souligner ça, mes chers élèves, en décidant en décembre 2014 de ramener le taux directeur à 2,5%, le Conseil de Banque du Maghreb a justifié sa décision, notamment par le fait que le chômage en hausse, comme on a dit, il a atteint désormais 9,5%. S'il a assuré que la situation économique restait sous contrôle, le gouverneur de Banque du Maghreb, en décidant en décembre 2014 de ramener le taux directeur à 2,5%, le Conseil de Banque du Maghreb a justifié sa décision, notamment par le fait que le chômage en hausse, qui a atteint 9,5%, s'il a assuré que la situation économique
rester sous contrôle, le gouverneur, le signal envoyé aux banques est des plus clairs et les plus que jamais opportun de financer l'activité économique dans le loyer de l'argent, taux d'intérêt et bon marché. Alors, pour les questions, mes chers élèves, on a relevé une action de la politique monétaire. Deuxième question, une condition ayant permis cette action. Après, nous avons deuxième question, dégager pour la politique monétaire un objectif intermédiaire et un objectif final. Alors, au niveau des actions, mes chers élèves, comme vous avez étudié au niveau du cours, la politique monétaire, c'est un ensemble de décisions prises par les pouvoirs publics en vue d'agir sur la masse monétaire en circulation afin qu'il n'y ait pas ni de trop de monnaie en circulation pour avoir l'inflation, ni de peu de monnaie pour avoir une déflation, c'est-à-dire une crise au niveau de l'activité économique. Alors, et cela par le biais d'un certain nombre d'actions ou de mesures. Parmi ces mesures, il y en a beaucoup. Il y a le taux de la réserve obligatoire, nous avons l'open market, nous avons les avances, et ainsi de suite. Alors là, nous avons la première question A1, action de la politique, c'est la baisse du taux directeur. Taux directeur d'intérêt qui sert de référence au taux directeur et au taux d'intérêt, que ce soit sur le marché monétaire ou applicable par les banques. Deuxième question, le niveau faible de l'inflation qui, sur les 10 premiers mois de l'année 2014, s'est établi à 0,4. C'est-à-dire que le taux d'inflation il est en ralentissement, ce qui nous donne une déflation et on sait bien le risque d'avoir une déflation. C'est-à-dire qu'il y a un processus désinflationniste, on s'approche de la valeur zéro. Et comme ça, on aura un chômage qui est élevé. Donc, il faut que l'État, que le gouvernement et le gouverneur de Banque du Maghreb augmentent le taux d'intérêt directeur. Alors, l'objectif intermédiaire, c'est la baisse du taux d'intérêt au contrôle de la masse monétaire. Donc, lorsque le taux d'intérêt au contrôle de la masse monétaire. Et il y a aussi, comme on a dit au niveau des objectifs intermédiaires, il y en a trois. Il y a le taux d'intérêt, soit l'augmenter ou le baisser ou le stabiliser. Nous avons aussi le contrôle de la masse monétaire et nous avons le taux de change d'Iram, de notre monnaie, avec les devises étrangères. Objectif final, qui sont au nombre de quatre, c'est les objectifs du carré magique, c'est la relance économique ou la baisse du chômage. Alors, comme ça, mes chers élèves, je tiens à vous remercier, enfin, je vous remercie, mes chers élèves, de votre attention et je vous dis à la séance prochaine.